Alors Fabien, encore un lieu exceptionnel, raconte le Louvre. On est, alors c'est le Louvre exactement, mais c'est inspiré du nom français. Alors là, nous sommes, tu vois ici c'est Louvre, il y a deux noms, hein. Louvre ici et Louvre à l'extérieur. Ok. Certainement une petite erreur chinoise. Là, on est dans une multitude de showrooms, comme tu peux le constater, et chaque étage a sa spécialité. On a différents styles, on va être dans le moderne, et plus on va monter, plus on va être dans l'antique, la reproduction de, par exemple, nos Louis XVI, etc. Et là, on a par exemple des salons qui coûtent une petite fortune. Alors ici, nous, on n'achète pas. Nous, on regarde les produits, les tendances, les nouveautés, les voilà ce qui est intéressant, et on va aux usines. Donc là, c'est pour donner un maximum d'idées aux participants. Merci. Alors Mehdi, raconte-nous ton expérience au Louvre, au Louvre local. Ouais, alors ici, ben en fait, vous pouvez trouver tous les styles de meubles, hein, vraiment tous les styles, hein, de l'antique au moderne. Il y a vraiment des choses vraiment magnifiques, ça peut vraiment vous inspirer, vous donner vraiment beaucoup d'idées sur quoi partir en fait, dans le mobilier. D'accord, voilà. Très très bien. Ça fait plusieurs années que tu viens ici, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, ça fait à plusieurs reprises qu'on vient ici avec les divers groupes en fait, qu'on accompagne ici en Chine. Et à chaque fois qu'on revient, c'est la même émotion, quoi. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment un lieu où tu te sens vraiment très, très bien, quoi. Merci, Mehdi. Merci à toi. Merci beaucoup. Indépendant et leader sur le marché. Toutes les grandes marques sont ici. Donc, tu vois les prix qu'on peut attirer. Les qualités, par exemple, les tables, on a vu le même table Kadam produit avec du marbre chinois. Et tu vois la différence, le prix. En fait, à tout parce qu'on travaille ici, après aller aux usines et dire voilà, moi je prends le canapé d'un tel, tu fais ta collection. Alors, Louise, que t'apporte la visite d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu et quelles sont tes impressions? Première impression, super. C'est vrai qu'on rentre dans un énorme hall dans lequel on retrouve vraiment tous les styles, toutes les ambiances. Il y a des choses vraiment complètement différentes. Donc je pense que c'est le lieu idéal pour pouvoir trouver l'inspiration produit. Pas forcément se fournir, mais déjà pouvoir voir justement les particularités, les styles qui existent, se donner une meilleure idée de ce qu'on cherche finalement et de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tous ces types de produits. Très bien, ça c'était notre deuxième visite. Qu'est-ce que tu as pensé de la première visite? Ah, la visite de ce matin, c'était fabuleux. On est allé voir du coup les tiny house. C'est un marché que je ne connaissais pas du tout personnellement. De pouvoir voir justement le concept, de pouvoir visiter les différents modules, de pouvoir se projeter, de voir les possibilités pour la suite d'installation, d'aménagement, de possibilités de mise en place tout simplement. C'était super intéressant, il y a un énorme potentiel. C'est quelque chose qui n'est pas développé encore beaucoup. Donc je pense que c'est un produit qui peut très bien fonctionner pour le futur. Ok, merci Louise. Avec plaisir. Oui, merci. Là, par exemple, ça, on peut trouver ça très kitsch. Il y en a qui vont vraiment adorer. Et après, alors, les étages suivants, ça va plus être dans notre style, tu vois. Ouais, tu vois, le table en bas, et là, on va faire avec le marché européen. Quand ça arrive en Europe, la gondole, malheureusement le bruit il a travaillé, le taux d'humidité n'est pas le même. Et là on a besoin des coursiers justement pour combler les trous. Mais là le bois il doit vivre. Là il n'y a pas de problème. Là il n'y a pas de problème. Là, il est comme ça, ça. It's the oldest style, collectible style.
Il y a un fauteuil sympa, la team. Celui qui est là-bas, c'est un fauteuil qui est très sympa, avec le repose-pied en boule. Là, ces deux fauteuils-là, ça, c'est aussi un produit qui se vend très très bien, super. Il y a à peu près 10 personnes qui s'occupent de couper le cuir pour les canapés. Très bien.